Et salut à toutes et à tous, c'est Kobaguru, je suis super content de vous retrouver dans Genesis Alpha One. J'en avais parlé dans la dernière vidéo de la saison 4. J'étais presque sûr qu'on allait avoir du nouveau contenu, et ça n'a pas raté. Aujourd'hui, je commence la saison 5 avec le nouvel update qui est sorti il y a quelques jours, Ship Assault. Alors, je vais prendre quelques minutes d'abord pour vous donner le détail du patch. Détail qui est en anglais. Alors, si je cherche mes mots, ne m'en veuillez pas. C'est parce que moi, j'ai l'habitude, je parle anglais pas couramment, mais pas loin. Ou du moins, je lis l'anglais couramment. Le souci, c'est que des fois, pour le traduire, c'est pas si facile que ça. Dans ce nouveau patch qui est sorti en même temps sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Epic, Steam, GOG, PlayStation 4 et Xbox One, l'update comprend également une nouvelle collection avec des fonctionnalités qui va nous permettre d'augmenter notre plaisir et de bien nous occuper pour ces voyages interstellaires. On va avoir la possibilité donc d'arraisonner les vaisseaux que l'on va croiser dans cette galaxie, dans cet univers, de les explorer et de les looter. Inclut également la fonctionnalité jugement qui va nous permettre de punir les capitaines pirates. Nous allons avoir la possibilité de promouvoir au niveau supérieur notre équipage avec le gain de nouvelles compétences et l'équipement de nouvelles armes. On va découvrir des pyramides sur les planètes qui ont des trous de verre. Je me suis planté, j'ai dit trous noirs, mais non, ce sont des trous de verre, c'est-à-dire des déplacements instantanés à travers les galaxies. Concernant l'expérience de l'équipage, puisque c'est ce qui est presque le plus important. Chaque membre d'équipage va recevoir de l'expérience en tuant des aliens, en effectuant la production, en étant assigné à un module ou en récoltant des ressources sur une planète. 2 XP pour tirer sur des aliens, 3 XP pour collecter des ressources sur une planète et 5 XP lorsqu'ils seront à bord du vaisseau en train de travailler. Si un équipage recevra 5 XP lorsqu'il reviendra d'une mission de collecte sur une planète, seul, c'est-à-dire quand le capitaine n'y va pas, c'est-à-dire moi quand je ne vais pas y aller, si j'envoie les 4, ils reçoivent 5 XP chacun. Ils recevront également 20 XP lorsqu'ils soigneront une maladie tout seul. Le niveau d'expérience de chaque clone sera visible lorsqu'on discutera avec eux. Voilà, par une sorte de barre d'étoiles, on va le découvrir ensemble. Il y aura des effets visuels, un message de l'intercom lorsqu'un membre d'équipage a été promu. Chaque clone reviendra à la barre de vie pleine lorsqu'il y aura un level up. Le premier niveau, ils auront une meilleure armure qui leur permettra d'avoir une réduction de dommages, plus une rapidité de collecte des ressources. Le niveau 2, encore augmentation de l'armure, et là ils pourront changer d'arme. Et le niveau 3, encore une fois, réduction de dommages par l'armure, et les clones seront capables de détecter les œufs ainsi que, vous savez, toutes ces... les lichens. Ils ont appelé ça les lichens, toute cette merdasse-là qui grossit dans les tunnels. Alors, les armes qui seront disponibles pour les donner aux clones. Le fusil à pompe, le fusil SA-1, le minigun, la machine gun, le flak et le desert eagle. Donc sur certaines planètes, on va trouver une pyramide alien. Lorsque le joueur activera dans la pyramide le dispositif de trou de verre qui ouvrira un trou de verre dans la galaxie, on pourra sauter de site en site. Bon, on va découvrir ensemble le module d'assaut sur les vaisseaux. Il y a une chose qui est quand même importante, les amis, et que vous devez déjà, tout le monde doit le savoir, il faut bien comprendre, on va attaquer les vaisseaux tout seul. L'équipage, il vient pas avec nous. Donc ça va être le vrai bordel, ça va être l'enfer. Ça va être plus que l'enfer. Alors, j'ai pris une grande décision. La saison 1, je vous ai présenté General Ballistic.
La saison 2, c'était Superior Genetics. La saison 3, c'était Star Union. Et la saison 4, c'était Rocket Star. Et donc, pour cette saison 5, on va prendre les mécaniques. Les mécaniques, alors vous voyez la différence, hein, je vous l'avais déjà expliqué dans la toute première vidéo que j'avais fait sur Genesis Alpha 1, si vous découvrez le jeu. Si vous découvrez le jeu, de toute façon, vous n'avez accès que à General Ballistic et probablement à Rocket Star. Les autres sont débloqués en achevant des objectifs dans la partie. Pour débloquer Superior Genetics 1, 2 et 3, il faut monter des clones. Pour débloquer le 3, je crois qu'il faut monter 6 clones au niveau 3. Pour les armes, c'est pareil. Il faut monter 6 armes au niveau 3 pour débloquer Star Union 3. Bon, bref, je sais plus, vous inquiétez pas, il faut, c'est indiqué, vous le cherchez. Mais ce qui a d'important, c'est ça en fait. Vous voyez ? Module 18, ressource 23. 21, 31, 28, 49. 28, 51. 26, 66. 18, 23. Le Rocket Star, c'est un niveau début. Là, on va partir sur du 24 modules et 51 ressources. Avec, regardez, le niveau d'équipage. Il n'y a que dans les niveaux 3 ou Super Age Genetics, l'équipage et l'artefact, c'est top. Donc, on part sur les mécaniques. On va voir comment on va faire. Alors, donc j'ai 6 membres d'équipage. Vous voyez, moi, j'ai déjà la possibilité de choisir autre chose que des humains. Donc, ben, on va rigoler. On va se faire un équipage holo. 3 hommes, 3 femmes. Voilà. Alors, les artefacts. Alors, ça, il m'en manque toujours, hein. Fait chier, hein. Et vous me prenez par les sentiments là. Vous me prenez par les sentiments. Bien sûr que je peux pas le je vais pas pouvoir l'utiliser dès le début. Mais là, franchement, bon, voilà, j'ai sélectionné. Donc j'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement. Le Stall Colosse, je suis obligé. Parce que comme ça, je vais me protéger un peu plus à l'intérieur parce que ça va être une saison difficile à mon avis. Le Robotnik P1, tout simplement parce que on a besoin des Robotniks pour le transport. Je pourrais m'en passer. Mais les classiques me gonflent. J'améliore directement le récolteur avec la cargaison améliorée qui me permettra de faire des voyages à 10 au lieu de 5. Donc c'est très bien. Et idem, double tourelle. Donc c'est un choix. Le portail de sécurité, j'aurais pu tenter de prendre le poste de contamination, mais le portail de sécurité, ça reste important. J'ai pris une amélioration de combinaison armure 15, parce qu'on va en avoir besoin. Pareil pour la santé, plus 15, parce que ça va être l'enfer. Ah, mais vous allez voir, on va rigoler, à mon avis. Et la sulfateuse, qui est ben, la sulfateuse. Alors, comment on configure? On va pas s'emmerder, les amis. Hein. On va mettre la limite de réacteur au maxi. Le reste, je mets toujours tout. Non, on va peut-être pas mettre... Alors, c'est quoi le maxi? C'est 24? Ah non. Ah, c'est... Ah, oula! Bon, ben, on va mettre la moitié. Hein. Non, la moitié, c'est 12. Enfin, le basique, c'est 12. On va mettre 15. Je laisse le marchand. Rang de genèse. Alors, le rang de genèse, si vous comprenez pas ce que ça signifie... Ça vous signifie que vous devez débarquer sur la planète qu'avec des clones de niveau 3. Et oui. Et ben c'est un challenge, mais vu que j'ai augmenté la limite de réacteur, ben voilà. Hein? Et là, ben, on est prêt. Bon, tout ça, ça va changer. Hein. Our courage. We came for the competition and for the vanity. We weren't ready yet. And the dream faded, became a nightmare, became propaganda and lies. But soon, our old dream became a global necessity. We needed resources. We needed more space and more food. We needed a perspective. After years of digging in the dust of Mars, the inventors gave us wings, the hyperdrive. Our ticket to not only Venus or Jupiter, but to Messier, to Andromeda, and to a galaxy we call Alpha 1. A galaxy full of bright suns and beautiful planets. A galaxy full of life. What? A new hope. An alliance of powerful corporations was forged, and Project Genesis initiated.
The dream returned, and we became pioneers again. Arcs full of genetic material reached Alpha One. Their goal? Finding a new home for its cargo, and to initiate a new genesis for mankind. The best commanders were chosen to lead these starships, and like myself, you are one of them. Alors, je suis un peu déçu que, vu que j'ai choisi les mécaniques, on a la même chose. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai comme réserve ? This is a greenhouse. The concept of cultivating plants on board of our ship is central to the Genesis project. There is no technology known to us that can effectively store or even provide a vital biosphère for the full time of Je peux mettre un portail de sécurité. Corridor serves as a protection from alien infestations. Build it strategically to protect important modules from threats. Alors, on va mettre le rayon tracteur. Je suis navré, les amis, je pars toujours sur le même niveau, hein, mais. Materials will be directly moved to the ship's storage. Alors, une réserve. This is the refined storage module. Mais non. Production ready materials leave the refinery and will be stored here. Keep an eye on our refined storage capacity. Pour le moment, hein, on fait comme on peut. Alors, j'ai 33 structures et 2 câbles. Alors, les quartiers d'équipage. On va mettre un... Qu'est-ce que je peux mettre ? The corridor connects modules and is available in different designs. Make sure you balance the ship's layout between security and efficient crew quarters. Pour le moment, on met ça ici. J'ai 100 d'énergie. Alors ça va déjà pas mal. Oh, le nouveau module. Bon, alors on le met où ? Le hangar est posé, donc on peut partir en balade. Il me reste la structure et du câble. Ouais. Alors, la raffinerie. Ouais. Alors, qu'est-ce que... où est-ce qu'il est d'ailleurs ? Vous voyez, je m'étais plaint. Dans la saison 4, je m'étais plaint que j'avais un petit souci. Oui. Le jeu ne me permettait pas de... d'avoir un nombre de postes de stations robotiques. Eh ben, j'avais un blanc. Ben voilà, ils l'ont rajouté. Suffit de se plaindre, hein. Ouais, je sais, je pousse des coups de gueule. Mais il me manque un truc, moi, là. The lift module grants fast ouais, access il me manque un truc. Non, je veux pas l'ascenseur. Je l'ai pas. Je ne l'ai pas encore, donc. C'est pas top du tout. Laboratoire de coulage, les quartiers, système de vie, réacteur. On mettra plus tard. Atelier, plus tard aussi. Voyage spatial, attaque de vaisseau. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Structure. Par contre, je voulais faire un truc. Je sais pas si je vais pouvoir. Non, j'ai plus. Il me manque du câble. Bon. Je veux faire une chose. Je vais installer la raffinerie. La raffinerie, je peux la poser. Mais il me manque du câble. Bon. C'est pas grave. On reste comme ça. On peut renommer le vaisseau. On va rigoler. L'USS Cobra, Genesis. Bah ouais, hein. C'est moi le capitaine, oui ou non?
Comment ça? Jimmy! Oh, mais pourquoi vous me... Mais ils sont pénibles! Il faut mettre deux cabines d'équipage! Non mais vous rigolez là! Vous vous emmerdez à mort, ouais, oh! Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est la première fois que ça me le fait. Ah oui! Deux, quatre, six... Eh ben... Bah non! Ah bah elle est pas mal celle-là. Pourtant, j'ai eu fait les... J'ai eu joué des parties avec les niveaux 3. C'est la première fois que ça me le fait. Bon, écoutez. Je m'appelle Volkov. Alors, qu'est-ce qu'on a comme gun? Ah ouais, c'est pas les robotniks noirs, hein. On a... Qu'est-ce que c'est, ça? Bon. Il y en a un qui est assigné ici. Alors. Oh, je reprends mes marques, les amis. Hein, je suis navré. Hein, là, ça va, on va tâtonner hein, parce que. Ça paraît pas, hein, mais. Je suis perdu déjà. Bon, on est dans un vaisseau bleu. Donc j'assigne quelqu'un ici aussi. Pour qu'il me fasse des recherches. On est dans l'espace inconnu. Oh, je suis déjà à côté du marchand. Je vais aller voir la pièce. On va aller découvrir la pièce. Job assigned. Combien il me reste? Voilà, il m'en reste. J'en ai mis deux au hangar, un au pont, à la serre. Ben voilà. Waouh! Dès que j'ai vu les images, les amis, je vous le dis, hein, je rigole pas, hein, je suis sérieux. Mais dès que j'ai vu les images, je me suis dit, ça y est, les Borgs ont envahi l'univers. Chambre de sauvetage, attaque de vaisseau. Aucun vaisseau à portée. Allez, hop. Je crois qu'on va bien rigoler, mais je crois qu'on va mourir aussi beaucoup. Ah bah oui, ah bah voilà. Ah bah bien évidemment, il fallait se mettre dessous. Bien évidemment, il fallait qu'il y ait des parties dessous. Bon alors, poudre à canon. C'est parti mon kiki. Pendant que le Gugus y bosse. Fais voir ça. Alors, nécessite le grade de sous-lieutenant. Ouah, voilà. Les étoiles. Allez, bosse un peu. Eh, ils ont vachement... Ah, regardez les armures que j'ai. En tant que mécanix. Ouais, là, ça... Il va falloir vite que j'installe des... des plantes et compagnie, là, hein, parce que... Alors, j'ai 8 atmosphères, mais on est 7 équipages, donc il me faut... Dans tous les cas, il me faut une personne de plus. Welcome to the shipbuilding. Et ouais, je suis un holo 1. Alors, et j'ai 15% de santé en plus, j'ai que 86 points de santé. Oh non, de non. À le début du jeu, là, il est toujours aussi bordélique.
Donc on a dit qu'il me faut du câble pour pouvoir installer un second portail, puisque je vais mettre la raffinerie. Parce que tant que j'ai pas la raffinerie, je peux pas les envoyer eux. Parce qu'il me faudra le dépôt aussi. Donc, il y a une chose que j'ai toujours appréciée dans ce jeu, c'est les couleurs. Les couleurs des équipements selon le poste. Ça, je dois dire... ça va, oui. On prend son temps. Tu as bossé un peu, oui. Dis donc. Moi, le boss, hein. Et puis, qui c'est qui laisse sa tasse de café sur la... sur la console de boulot? Non, mais c'est pas sérieux, hein. Resources collected. Qu'est-ce que j'ai comme plante, hein? Ah oui, c'est des plantes d'œufs. Eh oui, 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 c'est champipi, hein, les amis. Et champi, champipi, champignons, on est N2O. Bon. Ils peuvent partir ou pas encore? Oui. Souffre. HCL, on s'en fout. Alors, il faut pas que j'oublie que... ils en transportent 10. Et là, il faut que je descende avec eux. Harvester destination set. Launch sequence activated. 9, launch sequence activated. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, tout te dépêche pas. Bordel, quelle catastrophe ce début de jeu. Ça va pas être la joie. Ah mercredi. J'ai pas le radar. Oh de Dieu. Accessing archives. J'ai déconné. 80%. All phases complete. Bon, bah on va commencer à récupérer des... des échantillons. À boule les échantillons. Le deuxième il est où? Quelle purée de poids, on n'y voit rien. Oh merde, je sais même plus. Au secours, je sais plus la douche pour la lumière. Oh. 60%. Eh ben. 80%. Non mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? All phases complete. Ah, excusez-moi les amis. Oh, la torche. Non mais... c'est quoi ces conneries de me la déplacer sur la, le bouton milieu de la souris? Ouais, le fusil d'assaut. Tire, hein? Ça tire, hein? Je crois que là, enfin, on va avoir un jeu digne de ce nom. Avec des clones qui vont faire leur boulot comme il faut. Di, 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 di. C'est toujours aussi excellent
C'est toujours aussi le bordel dès le début. Hey, tourelle numéro 2. Oh non, mais ça, c'est le pied, les amis. Tourelle numéro 2 dès le début. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais être obligé de faire une chose. Hein. C'est que quand ils vont avoir fini de charger, donc je vous rappelle, ils chargent des deux côtés. C'est que moi, je vais rester sur la planète pour récupérer. Oui. J'ai pas de compétences. Hein. Non, j'ai rien du tout pour moi. Donc, je peux pas soigner. Mais c'était quoi ça? C'était quoi ça? Mais c'est c'est l'Amérique, les amis. Équipage guéri, équipage qui crie hostile, en visuel. Oh. On se croirait dans Castle Wolfenstein Ennemi Territory, hein. Bon, j'en ai marre, le flingue, le petit flingue, il est débile, donc... Et 8, et 9 Ouais, alors là, je suis pas d'accord, hein. Je vous l'ai dit, hein. Moi je suis pas d'accord qu'ils aient enlevé le fait que quand on récupère la biomasse, ben on se soigne plus. Il faille obligatoirement passer par par le poste médical, ça va pas du tout ça. C'est pénible. Bon allez, donnez-moi le dernier là. Oh là, ennemi spotted. Je vous ai dit. Hein. J'ai l'impression de revivre Enemy Territory dans Return to Castle Wolfenstein, pour ceux qui connaissent. Assez vieux. Hein. C'est vieux, c'est comme moi. Hein. Et comme d'hab, le dernier, ça va être encore l'enfer pour l'avoir. J'en ai besoin. Bah, si j'ai la tourelle de niveau 2 dès le début, c'est le jackpot, messieurs dames. Ouais, ça y est, il l'a looté, il l'a droppé. Eh, c'est parfait, on peut partir. Vous avez fini ou vous n'avez pas encore fini? Plus que deux. Il n'y a plus que du soufre. Non, il y a encore du fer. Là, ils auraient pu essayer de mettre quelque chose de plus facile. Ah zut, il me manque un clone. Oui, je sais. Et ben voilà, ça commence. Excellent. Oh là 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 là. Kill confirmé, tout est clair. Oh.
Monsieur de Team 17, je vous tire mon chapeau parce que vous avez écouté la communauté. Vous nous sortez un update gratuit. Je dis biscuit, je suis désolé, mais j'ai jamais parlé de DLC payant, moi. Hein, donc, tu m'as sorti une remarque sur ma précédente vidéo déplacée. Et alors, on va voir qu'est-ce qui a marqué. Voilà. Ouais, oh là là! Oh! Les bandes d'équipage de... Chaque nouveau grade, l'armure gagne un niveau. Les nouveaux grades débloquent aussi les capacités. Ouais, d'accord. Donc il faut obligatoirement... Bon. Donc ça devrait être 3 étoiles pour passer un grade au-dessus. Je pense. Hein. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Bon, ils sont tous les deux au même niveau. Ah ouais, zut, il faut que je me fasse une bio-cuve aussi. T'es où? Voilà. Hein, elle qui collecte des ressources, elle n'est que là. C'est elle ou lui? Béa. On ne sait pas. Armure 01. Armure 33. Et vous savez quoi, les amis? Ça vaudrait le coup de les changer. Je crois que c'est ce que je vais faire, moi. Régulièrement, quand eux, ils seront au maxi... Je les balancerai ailleurs dans le vaisseau et je prendrai de nouveau pour faire le boulot d'ici. Ah oui. Ah oui. Oui, 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 oui. T'es où? Oi. Mais je suis débile ou quoi? Il se planque, hein. Ah ouais. Vous voyez, ici, il n'y a rien eu. Hein. Alors que s'occuper des plantes, c'est important dans le vaisseau. Pas mal, hein. Je pense qu'il y a un problème ici, en fait. C'est pas normal que la personne qui s'occupe des plantes, elle n'ait rien. Bon. Et lui, comme il n'y a rien à faire ici, il doit être à zéro. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je viens d'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fait une vidéo de 40 minutes pour la première, mais il fallait bien. Hein. Il fallait bien, il faut qu'on reprenne ses marques. Il faut qu'on reprenne ses marques. Et puis, je veux... Alors, où est-ce que j'en suis? Non, il faut que je récupère d'abord du câble. Alors, est-ce que dans le coin, il y en a? Poudre à canon, structure, zut. C'est... Les câbles, c'est... Ouais, c'est le câble. C'est... Il me faut... Alors, défense. Donc, portail de sécurité, c'est ça. Il me faut 3 câbles. Parce que d'entrée, je vais mettre un nouveau portail de sécurité pour les dépôts. Ben, je vais réfléchir comment j'organise la chose. Et donc, pour le moment, je peux pas vider le hangar. Mais eh ben, on va aller faire le tour au pont pour voir si on a... Alors... 1... Ah, ils ont ça a changé. Ça veut dire quoi, ça? Oh, alors ici, il va y avoir quoi? Batterie, structure. Ah, oh non, mais ne me dites pas qu'il n'y a pas de cuve dans le coin, quand même. Mais il est feignasse. Oh. Elle prend son temps. Hein. Je vous l'ai dit, dans la saison 4, quand j'ai eu des niveau 3, ça pulsait comme c'est pas possible au boulot. Eh ben, on se rend compte que les niveaux 1, c'est des feignasses. Voilà. Donc, il va falloir augmenter le niveau des clones le plus rapidement possible. Allez, j'en arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo de la saison 5 de Genesis Alpha 1. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous et portez-vous bien. Salut, bye bye.